Dans cette vidéo, je compte vous présenter ma nouvelle bagnole. Je pense que la semaine dernière, je vous avais partagé une vidéo qui a fait beaucoup de tollé sur les réseaux. La vidéo que vous voyez là, que j'ai offert une voiture à mon frère, mon ami, mon collègue, Aliou Keita, qui est avec moi depuis, je pense, que quelques années aujourd'hui. C'est ça l'objectif, d'écrire des objectifs. On va quitter même moto. Donc, j'ai décidé de vous le donner avec vraiment un cœur ouvert, sans problème. Je te donne cette voiture. C'est ta voiture à toi, donc tu mérites plus que ça. Pourquoi je l'ai fait? Parce que j'ai acheté une putain de nouvelle bagnole, hein. BMW X5. Bon, vous allez me dire qu'on sait que nous, on conduit EGL ou bien Range Rover Velar, etc. Ne vous inquiétez pas. L'année prochaine, ça c'est une promesse morale que je viens de me faire moi-même. L'année prochaine, 2025, je vais acheter un putain de bagnole X6 ou bien GL ou bien Range Rover Velar. Voici les trois types de modèles que je suis convaincu qu'en 2025, je vais l'acheter. Donc, il faut vous fixer des objectifs pour aller de l'avant. C'est très, très important. Donc, je vais vous présenter la voiture, vous donner les crasses de cette bagnole. On va rentrer, mon caméraman va venir, on va entrer dans cette putain de bagnole. Alors, comme je vous l'avais dit, hein, là, je suis à l'intérieur de cette bagnole. J'adore cette voiture. Je suis avec mon ami, mon frère. Hein, comme je l'ai dit, je pense que la semaine dernière, j'ai offert une voiture à mon ami Keita. On a travaillé beaucoup ensemble depuis très longtemps. Donc, lorsque j'ai acheté cette voiture, on m'a proposé même presque 6 millions sur l'autre voiture. Mais je dis que même si c'est 10 millions, je ne vais pas le faire. Donc aujourd'hui, grâce à nos business en ligne, internet, tout ce qu'on est en train de faire, ça je pense que j'ai dit, hein, il y a des gens qui vont dire que voilà, il y a GL, je pense que c'est mon objectif, en 2025, je vais acheter peut-être GL ou Range Rover Velar ou bien XX. Voilà, peu importe. Et là, voilà, ça je pense que c'est une belle bagnole et on est en train de tester, les papiers viennent de sortir et tout. Donc, les gens qui nous parlent de business en ligne, est-ce que c'est rentable? Si tu as quelque chose à leur dire. Alors, seulement ce que je peux dire, c'est que de nos jours-là, on ne doit plus beaucoup parler. Tu vois, ça, ce sont des réalisations. La BMW... Je l'ai acheté à 35 000 $. Exactement. Tu vois, là, c'est plus quelque chose auquel tu dois chercher à convaincre quelqu'un. Ça, ce sont des réalisations. Tu te fais plaisir, tu fais plaisir à tes proches, tu prends soin de tes proches, tu réalises tes rêves. Et c'est les réalisations que les gens y voient qui vont, au fait, être déjà la preuve que ce que tu dis, c'est concret. Parce qu'avec la voiture que tu as offert voilà, à notre manager Keita, c'est une autre preuve. Et lui, je sais qu'il sait que le business en ligne fonctionne. Et lui aussi, il a bien commencé avec son business aussi. Exactement. Et donc, pour les gens qui nous regardent ou bien pour les gens qui te suivent, bon, pour ceux qui ne le savent pas, moi-même, ma voiture est déjà presque arrivée. Exactement. Voilà, donc vision d'Afrique, vous allez voir, on sera nous tous bien. Ce n'est pas pour nous vanter, c'est juste pour vous dire que quand vous croyez en quelque chose, il faut que vous passez à l'action. Il faut que vous mettez la main à la pâte. C'est-à-dire que vous allez mettre du travail, du sérieux, de la discipline. Et les résultats ne vont pas tarder à venir. Et vraiment, vraiment, félicitations pour ça. Je suis vraiment content. Je suis très fier de toi parce que tu nous inspires. Et c'est ça. Les amis, il faut être heureux pour le bonheur des autres. Il faut être heureux pour les réalisations des autres. Et vous aussi, vous allez attirer cette énergie, ce bonheur et voilà, les bonnes choses que vous souhaitez avoir dans votre vie. Il ne faut pas jalouser. Il ne faut pas être aigri. Non. Il faut être heureux, apprécier. Et voilà, ça va vous inspirer. Exactement, c'est ça qui va vous inspirer. Et lui, c'est parce qu'il a cette habitude-là. Je me rappelle très bien, j'avais acheté ma moto, c'était qu'en 2021. Ouais, je me rappelle, mais lui, il était déjà véhiculé. Ouais. Mais il était tellement content pour moi parce qu'il a vu que quelqu'un de son entourage évolue, fait quelque chose. Et c'est ça dont on vous parle. Donc, le business en ligne, c'est rentable, ça fonctionne toujours bien. Les amis, ne perdez pas de temps. Plus vous perdez du temps, vous laissez la chance à d'autres personnes qui sont plus courageuses que vous, qui ont plus faim que vous d'atteindre leurs objectifs et de réussir. C'est très bien. En tout cas, pas grand chose à dire. Moi, je vais vous dire juste qu'en 2024, maintenant, moi, je dis début 2023, j'ai eu l'occasion d'offrir à une maison de 50 000 $ à ma mère. C'était très voilà, émouvant. On était contents. Ma mère aussi était très contente. En 2024, j'ai acheté un appartement à Dubaï actuellement qui m'apporte l'argent.
et j'ai acheté cette voiture lorsque je suis rentré pour deux objectifs. La première, je voulais acheter un BMW. Deuxième, voilà, je voulais aussi offrir une voiture à Keita. Et je pense que ça aura, voilà, je l'ai dit, hein, d'ici un an, deux ans, toute l'équipe de Vision d'Afrique doit garer des belles voitures parce qu'ils le méritent, chacun le mérite. Chacun travaille dur pour que vraiment les choses bougent. Et je pense qu'avec le temps, on va atteindre certains niveaux très, très élevés en business. Tout le monde, moi je dis tout le monde, vous n'avez qu'à bosser, vous n'avez qu'à travailler. Et ça, c'est grâce, une partie, grâce à la crypto. Donc, il y a beaucoup de personnes qui me disent, c'est comment je peux faire pour être comme toi. C'est très... Moi, j'ai développé une formation gratuite sur la crypto-monnaie. Allez sur la barre de description, vous pouvez le suivre. Vraiment, ces deux dernières années, 90% de mes activités tournent autour de la... du trading de la crypto. Je ne sais pas comment on l'appelait. Les haters qui viennent me dire que les voitures là, est-ce que c'est ta voiture? Je vais vous montrer juste une chose. Le caméraman pourra zoomer. Hein? Tu as vu, non? Ça, c'est Amadou Sek, BMW X5. Parce que moi, je n'ai pas le temps d'emprunter une voiture pour faire vidéo. Je ne fais jamais ça. Je n'ai jamais pris quelque chose qui ne m'appartient pas pour faire vidéo avec. Jamais. Voilà. Et bon, je vois qu'aujourd'hui, bon, pour, au Sénégal, même, il y a des gens qui le font pour jouer, amuser et tout. Moi-même, ma communauté, 90%, ils ne sont pas des Sénégalais. Mais au moins, pour le dire, ça, si vous regardez, ça, c'est l'assurance de cette voiture. Vous allez voir mon nom, vous allez voir mon adresse, Cité Fadia, je suis grandi là-bas. Vous allez voir aussi, genre, X5. Pour vous dire quoi, ce n'est pas pour se vanter, pour donner des preuves ou tout. Non, c'est pour dire les autres, c'est possible. Si moi, j'arrive à le faire, tout le monde peut le faire. Donc, ayez le courage de commencer et le courage de ne jamais abandonner. Voilà la vidéo d'aujourd'hui. Donnez votre point de vue sur les commentaires si vous appréciez cette belle bagnole-là. Ce sera un plaisir. Voilà. Donc, on se dit, voilà, on se dit à la prochaine. Et donc, vraiment, ce sera un plaisir, directeur, que tout le monde, toute l'équipe arrive à ce même niveau-là. Et c'est que c'est une question de temps, mais tout le monde va arriver à ce niveau-là. Merci beaucoup. Et donnez vos points de vue. N'hésitez pas à partager la vidéo le maximum. Je vais vous mettre ici à la fin la vidéo qu'on a offert la voiture à M. Keita. C'était énormément intéressant, avec beaucoup de plaisir, très émouvant et tout ça. C'est vraiment un plaisir.